Baruch HaShem, je te bénis pour tout ce que tu fais et merci pour le deuxième jour de cette belle. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 janvier 2000, 2024, le chiffre 6-4 symbolisant le chiffre de l'homme. Utilise ma personne et bénis ce programme, bénis cette. Et bénis tous ceux qui me suivront. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Ben que le Dieu d'Israël vous bénisse, Hachem vous bénisse. Amen. Alors, comme vous le savez, hein, c'est le prophète Joël Crasso, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorcier. D'autres me demandent, est-ce qu'il y a sorcier, encore il y a brigade. Il doit y avoir brigade des sorciers. C'est des délinquants et des criminels. Voilà, des délinquants et des criminels. Heureusement qu'il y a ce centre-là qui règle les choses, qui c'est sa spécialité. Voilà, mater tous ceux qui, toute forme de sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie. Et aussi même délivrer, même les. Alors nous sommes aujourd'hui, nous avons organisé une retraite spirituelle qui a été annoncée, a commencé déjà par le pasteur Serge depuis hier, avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont à la retraite. Il y a beaucoup qui m'ont écrit. J'ai ramené au secrétariat. Voilà, nous sommes en train d'organiser le système de la communication cette année. Je pense qu'on a commencé, on est en train de travailler là-dessus. Parce qu'on a aussi le centre de niveau à organiser. Mais Dieu nous a mis à. Normalement, je suis en vacances. Voilà, c'est ça que j'ai profité de mes vacances pour venir sur mes activités, sur la clinique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a problème d'Internet ici. L'Internet est coupé ici. Il faut que ça marche à VPN. VPN, ça veut dire, c'est une application. Voilà, il n'y a pas d'Internet dans le pays, mais quand vous avez le VPN, ça va chercher l'Internet dans un autre pays et ça vous fournit l'Internet. Voici comment VPN fonctionne. Voilà, donc c'est pas facile du tout. C'est pas vraiment facile, mais ben, on gère. On gère, on prie pour la Guinée, c'est très important. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel. C'est un pays que Dieu a béni. Voilà, c'est un scandale géologique. Voilà, c'est un pays aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, hein. Pas plus que la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est un pays que j'aime beaucoup parce que je me dis, on doit beaucoup apprendre, on doit apporter beaucoup de choses aux Guinéens. Ça, c'est très important. Ils ont la forêt à l'état brut. Ils ont tout ici, hein. Tout. Voilà. Il faut que nous prions pour la Guinée. Voilà. Donc, nous sommes à une retraite, et puis la retraite spirituelle, là, comment détecter, comment détruire les œuvres de la sorcellerie. Alors, cette retraite-là, beaucoup de personnes m'ont déjà écrit, beaucoup ont envoyé les amis au centre, voilà, pour justement scanner, comment régler certaines choses. Ça sera réglé. Et parce que nous sommes en train de travailler, nous allons mettre beaucoup l'accent sur les réceptions. Nous allons mettre beaucoup l'accent sur les réceptions, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la délivrance à cette. Ah, vraiment, c'est quelque chose de très important. Tous les matins, il y a programme et les soirs. Généralement, quand c'est des retraites spirituelles, on le fait matin et soir. Voilà, vous allez voir qu'à partir du week-end, les choses vont changer. Surtout à partir de vendredi, vous allez voir que les dons vont changer. On aura des rencontres matin. Ce sont les réceptions, le soir après la délivrance. C'est comme ça. Donc, toute la semaine jusqu'au dimanche, ça sera comme ça. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. Voilà, qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous fortifie. Alors, je vais revenir sur mes. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Est-ce que quand Dieu demande à un prophète de parler, est-ce qu'il a le droit de parler? Ben, attends, moi, je ne sais pas pourquoi la question. Vous savez, il y a des questions. Est-ce que le prophète doit tout dire? Mon frère! Un prophète doit dire ce que Dieu lui demande de dire, au risque. Je reprends. Un prophète doit tout dire, au risque de sa vie. S'il ne dit pas ce que Dieu lui dit de dire, c'est qu'il n'est pas prophète. Amen. Amen. Alors, un prophète, c'est un messager. Un prophète, c'est lui qui est dans l'intimité de Dieu et qui vient vous partager le message de Dieu. Quand je vous disais le 1er janvier, la France va connaître des troubles, ça a commencé. Ça a commencé, vous n'avez pas encore vu ça. Regardez les agriculteurs. Et ça, c'est rien. Quand j'ai commencé à prédire, les gens, qu'est-ce qu'il dit? Quand j'ai dit, vous va neiger sur Paris, et ça sera grave. Quand je vous ai dit,
deux pays africains vont rentrer dans la confrontation. Malheureusement, il y aura le Togo, il y aura le RDC. Notez ça. Frère, on ne se lève pas un matin pour être prophète. Nous, on ne fait pas le métier de prophète comme un métier. C'est une vocation. C'est l'appel de Dieu. Donc, ce n'est pas lever comme ça. On ne s'est pas levé le matin pour être prophète. C'est Dieu qui nous appelait prophète. Donc un prophète doit prédire. On ne se lève pas comme ça pour faire du buzz. Nous, on ne se lève pas le matin pour faire du buzz. Moi, j'évite ça. J'évite de me rentrer. C'est pour ça que vous ne voyez pas, je ne suis pas trop facebookien. Je ne suis pas trop youtubeur. Même si j'ai une chaîne de télé, faire une chaîne de YouTube. Mais nous venons partager le message de Dieu. Avant la nouvelle année, j'ai fait une semaine. En retard spirituel, et Dieu est en train de montrer comme le fonctionnement du monde. Il a dit cette année sera catastrophique. Il m'a chargé le 31, justement après avoir coupé mon cadeau d'anniversaire. Je venais parler. Allez relire ma première vidéo, mes prédictions de la première vidéo. Allez, où j'ai parlé de turbulences qui vont en France. Allez regarder écoutez la première vidéo, et puis aujourd'hui, allez voir ce qui se passe en France. Vous pensez que un prophète, c'est un amusement. Quand je parlais, je vous ai dit, voici ce qui va arriver à la France. Et ça, c'est rien du tout. Il y a plein de choses qui arrivent. Et je ne suis pas contre la France, mais c'est des prédictions. Et quand on prédit, c'est faire attention. C'est pour ça que dans une nation, quand une nation arrête un prophète ou met un prophète en prison, parce que le prophète a prophétisé, le pays est sous une malédiction. Amen. Amen. Voilà, donc, si vous ne voulez plus que les prophètes parlent, la catastrophe va arriver. De voir que c'est des chiens qu'on envoie sur les chaînes de télé. Vous voyez la Côte d'Ivoire. Vous voyez la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des gens qui insultent les gens, mais prédire. Un prophète prédit. Ben, pour ça, on ne peut pas mettre quelqu'un, on peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a prédit. Sans lui et sa prédiction. Mais en temps normal, si un prophète prédit, on dit un prophète là, c'est la réalisation de ses prophéties qui fait qu'il est prophète. Moi, on m'a envoyé à Zaroko. J'ai prédit qu'il va avoir l'eau potable. Il a eu l'eau potable. J'ai prédit que l'eau, le dispensaire, ça s'est passé devant moi. La matinée s'est passée de voir. Mieux, allez voir ce que c'est. J'ai fait, Dieu est passé par moi pour faire à gros. Je leur ai dit, vous avez un serpent ici dans cet intermédiaire. Allez sur YouTube, vous cliquez le serpent de gros, le dragon de gros. Devant tout le monde, plein 11 heures, ils m'ont suivi sous l'onction de Dieu. Je leur ai dit, c'est dans cet intermédiaire qu'il y a le dragon. Personne n'y croyait. Personne. J'ai demandé aux gens de prendre, pioche. Ils ont creusé la termitière. Creusé. Bon, elle fait très en creusé. Comment qu'il est orienté par l'esprit, parce que Dieu m'a amené à voir tout dans la termitière. On m'a bien écouté. Amen. On m'attend. On m'attend. Amen. Voilà. Il y a des gens qui tuent un. Il y a des gens qui tuent un. Et donc, après ça, le Seigneur va puissamment m'utiliser et va aller détruire le serpent de gros. On a tué le serpent de gros. Le serpent de gros a été tué. Oui, le serpent de gros a été tué. Amen. Donc, si dans une nation, vous voulez museler les prophètes, vous voulez empêcher les prophètes de ne pas parler, ben, frère, il va y avoir la catastrophe. On dit rien n'arrive sans que Dieu le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Quand on dit que c'est les faux prophètes, mais quand on dit qu'il y a les faux, il y a les vrais. Pourquoi vous regardez le côté faux seulement? Il y en a des vrais. S'il y a des faux, il y a des vrais. Mais dans une nation où on privilégie aujourd'hui des féticheurs, des hommes qui dans l'occultisme,
Ça montre l'état d'âme du pays. Il vient s'asseoir sur les plateaux de télé et les hommes de Dieu, les hommes religieux qui sont arrêtés, qui sont enfermés. Et aujourd'hui, dans nos églises, ce sont les services de renseignement généraux. Dans les églises, ce sont aujourd'hui les services de renseignement généraux qui sont là. Qui veulent arrêter des véritables serviteurs de Dieu. Je leur ai même dit, j'ai même prédit ça cette année. J'ai dit, cette année, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir, des serviteurs de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de choses vont arriver aux serviteurs de Dieu, malheureusement. Frère, il faut faire très attention. Dans une nation, il y a la maltraitance des hommes de Dieu. On ne considère pas des hommes de Dieu. Mais vous pensez que... La Bible dit, si tu reçois l'aide de mes serviteurs, c'est moi qui t'ai reçu. Amen. Donc si vous recevez mal un serviteur de Dieu, vous traitez mal un serviteur de Dieu, il aura une malédiction. Donc un prophète, il prédit. À d'autres me disent, ah non, maintenant, moi je suis prophète. J'ai une spécialité, la plage des sorciers, mais un prophète. Le prophète, c'est un voyant. Dieu lui donne la capacité de voir. Dieu lui donne la capacité de prévenir les gens. À la suite, tu viens, il y a un prophète qui ne parle pas. Comme Jonas. Jonas ne voulait pas parler, mais Dieu a permis que le poisson avale Jonas et le ramène à Ninive pour prêcher. Toi, Dieu va te dire, d'autres m'ont dit non, il y a des prédicateurs, des prédicateurs. En Côte d'Ivoire qui disent que ce n'est pas tout un prophète doit dire. Mais ce que toi, tu n'es pas prophète. Mon frère, si tu es apôtre, il faut rester dans ton histoire d'apôtre. Il ne faut pas venir et le ministère prophétique. Tu es apôtre. C'est comme ça que vous faites toujours. Et puis Dieu, c'est comme ça que vous faites. Et vous amenez les gens à banaliser l'église. Restez dans vos histoires d'apôtre ou bien bishop, je ne sais pas. Mais le ministère prophétique, là, vous n'en savez rien. Un prophète, il ne peut pas. Si c'est réellement Dieu qui t'a donné de parler, mais tu vas t'élever pour parler. Moi, j'étais à Abidjan quand Dieu me disait, va à Zaroko. Mais quand j'allais à Zaroko, c'était pas bon. Mais tout ce que j'ai prédit est arrivé. Et tout ce que je suis en train de prédire aujourd'hui, allez regarder la première vidéo. Pour ne pas qu'on dise, ah non, il voit des... Non, allez regarder. Et donc, je suis même inquiet pour Poukin. J'ai dit, je suis très inquiet pour Poukin. Parce qu'il me semble qu'il va avoir quelque chose. J'évite d'avoir des détails parce qu'il n'a pas voulu que les gens récupèrent. Mais prions, la Russie, il va avoir quelque chose. Il en aura aussi quelque chose de très grave sur l'Angleterre. Il aura l'Angleterre. Notez ça. Il va avoir un deuil. Un deuil qui va. Quelque chose qui va endeuiller toute l'Angleterre. Notez ça. Je vous ai même prédit qu'il doit avoir une sorte de rougeole, qui va. Une épidémie qui va apparaître cette année. Malheureusement. C'est en train de préparer la venue de l'Antichrist. 2024 prépare la venue de l'Antichrist. Je vous ai même dit, regardez vers Vatican. Quelque chose va se passer. Il y aura un deuil. Un grand deuil au niveau de l'Église, au sommet de l'Église catholique. Notez ça. Et ce que je suis en train de dire, si c'est pour me dire, c'est en fin d'année. Mais il faut des prophètes pour prédire. Quand Noé parlait, qui croyait en lui? Personne ne croyait en lui. Quand Noé parlait de l'arche, personne ne croyait qu'il devait avoir un déluge. On ne dit pas ça, mais parce qu'on est dans l'intimité de Dieu, Dieu dit, va dire. Mais au risque de nos vies. Au risque de nos vies. Donc, on ne peut pas aujourd'hui museler les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, dans une nation, on ne peut pas museler les serviteurs de Dieu au profit du fétichisme. Et c'est la fétichisme qu'on met au... Ah, mince. C'est eux qui ont le droit de parler. Et les serviteurs de Dieu n'ont pas le droit de parler. Vous voyez cette nation? C'est à quoi des féticheurs, il y a des bruteurs. Les féticheurs, ils demandent le sang humain. Les féticheurs, ils demandent l'organe humain. Les féticheurs, ils demandent demander cadavre. C'est eux qui font ça. Aucun homme de Dieu ne peut aujourd'hui vous demander un sang humain. Parce que le sang de Jésus est déjà versé, terminé. Qu'on parle de féticheurs. C'est en ça que vous voulez mettre une nation. Dans ça. Et quand on va parler, vous allez penser qu'on est en train d'indécer quelqu'un. Mais on voit, quand on voit, on doit pas. Et demain, si on ne parle pas, vous allez dire que moi, vous étiez là, vous n'avez rien dit.
Où va la nation? Vous voulez la bénédiction? Faites très attention. On ne doit pas museler un serviteur de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles, oh frère, nous allons tous mourir. Qui va rester comme une pierre sur cette terre? Nous allons tous mourir. Mais nous allons mourir dignement. L'apôtre Paul est mort, martyr. Ils ont coupé sa tête. La pierre, il est mort. Et la tête crucifiée en bas. Le seul disciple qui est mort d'une mort naturelle, c'est Jean-Baptiste. Et Jean, plutôt Jean, le disciple de Jésus, Sylvie Patmos, ils sont tous morts partis. Donc quand un homme de Dieu doit parler, parlez mon frère. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il ne faut pas venir rencontrer des bêtises. Mais attention, une nation qui s'élève contre les hommes de Dieu. Moi je ne parle pas des gens qui viennent insulter, non. Si je vois un serviteur de Dieu en train d'insulter, non. Mais donner une prophétie, révéler des choses. Mais je pense que dans une nation, est-ce qu'on va arrêter quelqu'un qui a donné une prophétie? Moi-même, là, je suis obligé de pousser. On me cherche. Parce que j'ai détruit la sorcellerie. Mais moi, pour m'attraper, tu vas avoir des problèmes. Parce que j'ai détruit ton cerveau. Je suis devenu 5 fois plus puissant. Tu ne peux même pas m'avoir. Quand tu vas vouloir, je te détruis. Je suis le maréchal. Ah non. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu, je l'ai reçu. L'homme, les gens souffrent. C'est ça qui est dit, même si on prédit, nos serviteurs de Dieu doivent parler de la sorcellerie, doivent dénoncer la pratique de la sorcellerie. C'est le vrai, véritable problème aujourd'hui. La sorcellerie atteint un niveau, mais on ne sait même pas où mettre la tête. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Nos bras valides, ceux qui doivent sauver l'Afrique, ceux qui doivent sauver leur famille, aujourd'hui sont objets des persécutions, de la persécution spirituelle. Ils ont des grands diplômes jamais pour mettre la tête. Malheureusement, ils sont frappés par des maladies mystiques. Ils sont même pour mettre la tête. Voici le combat que nous menons. Et ce combat, comme je l'ai dit, l'Occident l'a mené au Moyen-Âge. L'Occident a mené ce combat. Au moins, pendant que l'Occident menait au 13e siècle, au Moyen-Âge, au 13e siècle, ben, tout, ils sont rentrés dans un arrêt de tout, toute activité. Ils ont tout arrêté. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières. Ils ont commencé à chasser les sorciers. Dans leur dernier retranchement, on les traquait, on les prenait pendant 600 ans. Quand ils ont fini, ils ont remis le monde au travail. Donc le 18e siècle, le siècle de lumière, la révolution industrielle. Et je le dis toujours, nous sommes tous allés à l'école, nous avons accès à la documentation, on sait où faire des recherches. Donc le monde s'est industrialisé, européen, à partir de la destruction des œuvres de la sorcellerie, à cause de la grande magie noire. Donc le 18e siècle, le siècle de lumière de la révolution industrielle. L'inquisition s'arrête au 17e siècle, après avoir détruit la sorcellerie. Vous pensez que c'est nous, les Noirs, pas des sorcelleries. Les Blancs ont eu une sorcellerie, ils ont continué le roi. Mais il y a une sorcellerie où les gens sont accostés, ils mangent, ils boivent le sang humain. Parce que quand ils sont aujourd'hui. Mystique, là. Ils boivent le sang, ils mettent des enfants, ils traquent les enfants, ils vont les déchirer. C'est ça qu'ils ont vendu là, mes amis. Vous ne voulez plus qu'on parle. On n'a qu'à vous dire des choses que vous voulez entendre. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu sauve nos nations. Et Jésus-Christ sauve nos nations. Amen. Pas d'amusement, frère. Quand les gens disent non, est-ce qu'un prophète doit parler? Il doit parler. Si toi, Dieu t'a dit de parler, qui tu t'étais, tu n'es pas prophète. Faut arrêter ça. Un véritable prophète, il a un message de Dieu. Il dit pas, il va tomber. Il va tomber.
Jonas avait le message de Dieu, il partait dans un autre pays. Dieu a amené la tempête. Hein, il y a eu tout ça, on a jeté. La tempête s'est calmée, le poisson l'a avalé. Dieu dit, tu vas ou quoi?